Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec ta belle Élodie Petit. Vous la connaissez probablement sur Instagram. Mais sinon, c'est une directrice de zone à l'écart, le deuxième niveau de gestion. Donc, elle est haut placée quand même. Puis aujourd'hui, on va répondre à vos questions sur Arbonne. Puis on va vous parler de Arbonne en général pour répondre à vos questions éventuellement que vous allez peut-être avoir sur la belle compagnie. Donc, c'est ça. C'est parti! Donc, Arbonne, c'est une compagnie de marketing de réseau. Ça fait 40 ans qu'Arbonne, ça existe. Entre autres, c'est une compagnie de santé, beauté, mieux-être. Donc, ça a des produits qui viennent vraiment combler ces valeurs-là. On a reçu la question, c'est quoi nos produits préférés? Moi, je trouve ça vraiment difficile de répondre à cette question-là. Ils sont pas mal tous bons, les produits. La plupart que j'utilise, je les aime vraiment beaucoup. Mais mettons ceux qu'on utilise comme fréquemment. Gros coup de cœur. Les fizz, donc les bâtonnets effervescents. On a trois saveurs de fizz. Grenade, citron, fraise, melon de lait nouveau. Ouais, t'en as pas aussi au champagne? Ouais, champagne, si vous êtes une personne qui boit pas, champagne, c'est beau vous autres. Oui! Puis ouais, on a les nouveaux qui sont au punch épicé, qui goûtent un peu les pommes cannelle. C'est super bon, ça rappelle le Christmas time. Mon préf, je dirais que ça reste fraise. Ça donne de l'énergie, mais santé à base de guarana, thé vert et caféine naturelle. Mais sinon, il y a celle-là aussi. Celle-là, je pense que toi, ça, tu l'aimes bien. Oui. Tu peux t'essayer le scrub hein, aussi, je pense. Ouais, j'aime les deux, mais genre le scrub, c'est genre. Il est mieux? Mettons, tu scrub puis tu ménages-les après, c'est genre le best du monde. Ah ouais? Il y en a tellement, là. Comme ça, c'est vraiment tous les produits Arbonne, mais sont vraiment comme vraiment remplis, là. Ouais. Je peux pas plus le montrer trop, ça va tout traverser, mais on en a pour notre argent, là. Comme... Moi, j'aime vraiment beaucoup ceux-là, là. Mes préférés, là, il y a les. Super Calm que tu utilises comme juste l'hydratant puis le sérum puis le gommage glissant Prep Work. Ça c'est pour les points noirs donc. Voilà. Moi c'est la gamme Super Calm que j'utilise en tout temps. Mais j'utilise toutes les gammes fait que moi je mélange, tu sais, je fais plein de combos. J'utilise Prep Work puis j'utilise en même temps le sérum de Bio et de Ria. C'est ça. Puis sinon un autre de mes coups de cœur c'est le l'auto-bronzant, la lotion auto-bronzante. Ouais. J'aime vraiment ça, c'est vraiment naturel pour vrai. Moi dans la vie je mets vraiment pas de self-tan parce que j'avais peur justement. C'est pas genre uni ouais. Mais ça c'est fou là, c'est vraiment genre ça fait juste bronzer notre peau naturellement. Mais c'est comme une petite gelée en même temps, ouais. C'est une crème gelée puis c'est vraiment pas gommant sur la peau puis ça rentre super bien puis ça ouais. Pue pas. Non oui. Mais pas il pue là, tu sais le spray tan ça sent quelque chose mais celui-là ça sent genre la menthe ou de quoi de même. Ouais, ça hydrate un peu la peau aussi ouais. En même temps. Vraiment. On dirait que tu mets une crème hydratante quand tu mets ça. Toi t'avais dit d'autres... C'est comme toutes mes coups de cœur, c'est ça à dire là, mais tu sais j'adore le Skin Elixir qui est pour la santé des ongles, de la peau, des cheveux, des os, de toutes mes affaires quasiment. Ça aide à la production de collagène. Ouais, exactement. Puis j'ai vu une grosse différence au niveau de mes ongles. Puis je suis quelqu'un qui se fait toujours les ongles au gel. J'en ai pas. C'est fou. C'est fou ce que vous irez voir ces stories. Elles montrent vraiment bien oui. Dans son highlight. Ben, c'est vraiment, vraiment beau. Tes ongles vont se faire avec son sang. Je les ai toutes coupées, mais j'attends qu'ils repoussent. J'aime vraiment beaucoup les protéines aussi. Je les ai pas ici, là. Mais les protéines sont vraiment, vraiment bonnes. Les cool. Nouvelles protéines au café. Mmh. Oh, t'es tellement chanceuse. Je les ai pas pris, là, mais ça me tente. C'est vrai. Fait que, oh, il y en a mis aussi. Lui, là, je trouve tellement que c'est bon, ça. Oui. Je l'ai récemment essayé, c'est le de contrôle total, puis ça l'aide à, comme, combler des fringales. Ça simule. Sensation de satiété. Satiété, c'est ça. Qu'on a moins faim. Ouais, fait que, mais c'est vraiment, vraiment très, très bon, le genre. Moi, j'aimerais ça qu'il fasse des fils à cette saveur-là. C'est vrai. Sinon, il y a aussi la question, les essentiels Arbonne. Donc, ça revient un peu au même que les produits préférés, mais. Pas tant parce qu'essentiel c'est comme. Moi, ouais, essentiel, ben je dirais ma gamme skincare. Ouais, moi aussi. Super calm, c'est sûr. Ouais. Je dirais un self tanner parce que je ne vis pas pour être blanche. Ouais, c'est ça, vraiment. Je m'en mets toujours, pis. Hey, c'est fou! Genre, j'aime tous les produits. Mais tu sais, santé cognitive aussi, c'est un essentiel pour mes examens, moi. Moi, je trippe, là, à quel point que. Ça fonctionne-tu vraiment? Est-ce que tu sens vraiment que t'es plus concentrée? Ouais, vraiment. Vrai? Genre, la seule fois que je les ai pris puis j'avais un examen en vrai, je l'ai pris genre 15 minutes avant mon examen, puis j'ai eu genre la deuxième meilleure note de la classe. C'est vrai? Ouais, j'étais genre, oh my god, c'est sûr que c'est dans santé cognitive. Wow! Mais tu sais, je sais pas si c'est. Non, non, mais ça m'a vraiment, tu sais, ça l'aide à la mémoire, puis non, tout, fait que genre vraiment. Fait que pour les gens qui sont à l'école, santé cognitive. On a Charlène. Qui demande, je me demandais si vous aviez des produits pour une peau sensible et beaucoup de points noirs. Oui, c'est sûr qu'on a pris la peine. C'est exactement ce que j'utilise. Donc, la gamme Super Calm, c'est pour les peaux sensibles. Puis sinon, ben, y a le gommage glissant qui est pour les points noirs. Fait que c'est sûr que ça, ensemble, moi, c'est exactement pour ça que j'ai pris ça.
Mais sinon, je pense qu'après aussi prendre genre toute la gamme sur le compte et alterner avec celui-là aussi. Moi, c'est ça que je fais. Ouais, c'est sûr. Tu sais, celui-là, si tu peux, le gomme agissant, tu peux l'utiliser matin et soir. Mais moi, perso, je le prends pas matin et soir, je le prends genre 3 fois semaine. Mais pour quelqu'un qui a vraiment beaucoup de points noirs, genre, là, je dis intensivement, là. Et ben, matin et soir, genre, c'est le best parce que ça vient vraiment travailler. C'est un exfoliant nettoyant. Ouais, c'est un exfoliant qu'on peut utiliser matin et soir. Donc, ça vient pas graffiner la peau. Ouais, c'est ça. C'est pas trop rough pour la peau. Si j'ai la peau grasse et des boutons à l'occasion, tu me conseilles quoi? Je conseillerais les rondelles correctrices contre l'acné ou le traitement ponctuel intensif contre l'acné. C'est comme les deux produits pour les personnes qui ont juste un peu de boutons. Avec ça, je conseillerais la gamme Bioidria ou Supercon, dépendamment si la personne a la peau sensible ou pas. J'ai aussi que pour les petits boutons, t'aimes bien proposer le masque. Le masque à tes enfants. Ouais, lui, tu l'aimes bien. Hein? Ouais, je l'aime beaucoup. Il est hydratant en même temps. Fait qu'une personne qui utilise les produits Clear Future, vu que c'est des produits forts pour l'acné puis qui viennent comme assécher la peau, ben là le masque il vient comme hydrater. Bioidria c'est pour soit les peaux genre très très sèches, soit les peaux très très grasses. Ouais c'est ça. Bioidria c'est ça, c'est comme le monde sont comme partagés, ils savent pas ça sert à quoi, mais c'est vraiment pour les peaux déshydratées. Mais parce que la peau, quand la peau est grasse, je pense que c'est parce que genre... Elle est tellement déshydratée justement. C'est ça. Fait que Bioidria pour les peaux très très grasses. Ou très très sèches. C'est ouais, comme... très très sèches. Ça a l'air vraiment confusant, mais c'est ça pareil. C'est vrai, Si je mange trop, qu'est-ce que tu me conseillerais? Je conseillerais le contrôle total qu'on a parlé justement tantôt dans nos cœurs, je crois. Le contrôle total, c'est un produit qui absorbe 100 fois notre poids en eau. Donc, ça fait qu'on se sent rempli, puis qu'on a moins faim. Donc, ça coupe la faim. Ouais. Puis, ça fait diminuer nos portions de repas parce qu'on le prend 30 minutes avant notre repas. Fait que moi, quand je prends ça, je prends vraiment des petite portion. Ouais, c'est ça. Après mon souper, genre, j'ai pas faim, je grignote pas. Ouais, quoi. Vraiment, t'as pas, que ça enlève les fringales, là, t'sais, quand t'as goût de manger, la gourmandise. Des petits cravings. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, vraiment très, très bon, comme je vous dis. Fait que c'est vraiment le produit fait pour ça. Fait que c'est pas que ça l'enlève la faim, c'est juste que ça te fait manger juste correct, juste ce que t'as besoin de manger. Faut être fonctionnel, pis bim. Bien vivre. Si j'ai les pointes de cheveux secs, donc ça c'est vraiment, vraiment très bon. En fait, c'est un hydratant, ça hydrate les cheveux. Je sais que c'est vraiment bon aussi pour quand tu utilises beaucoup de chaleur dans tes cheveux. Ouais. Genre c'est super bon. Puis ça rend tellement les cheveux genre démêlés puis doux là. C'est fou comme tu fais ça dans tes cheveux, mettons dans la douche, puis genre tu passes tes mains puis tous tes cheveux sont vraiment vraiment démêlés. Fait que moi je l'aime vraiment vraiment beaucoup celui-là. Ouais, moi aussi je l'aime. Des fois j'ai comme toute la journée, mettons une journée j'ai les cheveux sales, puis je sais que je suis due pour les laver, puis la journée je fais rien, ben je les laisse aller toute la journée. Dans mes cheveux, je me fais une toque puis je laisse ça de même. Ah ouais? Ouais. Tu les mets pendant que tes cheveux sont secs? Je les mouille avant. Tu les mouilles, ok. Ouais. Et après, je mouille juste mes points. Ah, c'est une bonne idée. C'est pas un chignon puis tu laisses ça de même. Ok, ouais. Celui-là, très très bon. Si vous avez des autres questions aussi d'ailleurs, vous pouvez toujours nous écrire. Ouais, mais ça va mieux quand on parle à la personne directement puis là que tu sais, on pose un million de questions puis là, ok, on va savoir quoi conseiller. Ouais, plus précisément parce que c'est ça, c'est un peu plus vague là. Si les gens qui se posent la question, avez-vous un produit pour la perte de poids? On n'a pas un produit miracle qui va vous faire perdre du poids, mais on a un programme de nutrition qui s'appelle le 30 jours de Vicenne. Puis ce programme-là, c'est vraiment un programme de nutrition et non d'entraînement, mais c'est sûr que les deux, j'y vais ensemble. Ça. Ben ça donne des bons résultats. Puis dans le fond, quand vous achetez le 30 jours de Vicenne, c'est un kit qui vient avec 9 produits de nutrition. T'sais, c'est vraiment avantageux que tout acheter ces produits séparément. Vraiment. Puis vous êtes comme nous, on vous met dans un groupe Facebook, il y a des recettes, des listes d'épicerie, des déjeuners, dîners, n'importe quoi, pour réussir votre 30 jours de Vicenne, parce qu'il y a des restrictions dans ce programme-là, qui est de manger sans gluten, de couper l'alcool, le café, le soya, les produits laitiers, les sucres artificiels. Oui. Puis vous remplacez un repas par un shake de protéines parce que il y a 2 sacs de protéines qui viennent dans le gros kit. Enfin, je vais vous dire ce qu'il y a dans le kit. Il y a 2 sacs de protéines que vous choisissez la saveur. Il y a 2 boîtes de thé détox. Il y a 1 boîte de digestion plus. Il y a 2 boîtes de fizz. Il y a soit le purificateur pour le corps ou les greens, that's it. Mais tu prends aussi le plus petit kit, mettons que tu veux pas investir pour le gros, ben tu prends le plus petit kit, mais c'est sûr que si t'achètes tous les produits séparément, là, t'as vraiment pas à ce prix-là, fait que ça vaut vraiment la peine. Ouais, c'est un bon investissement pour notre corps. Ouais. Puis moi, tu sais, mettons, j'achète toujours 30 jours de vicine juste parce que c'est bien plus économique que acheter tous les produits séparément. Parce que même si je fais pas le 30 jours de vicine puis je coupe pas gluten, nanana, tout ça à chaque mois, ben je consomme quand même les produits à chaque jour parce que c'est juste bon pour notre santé. Et
pas aussi les trucs de fibres, les suppléments de fibres? Ah oui, c'est vrai. Il y a un sac de fibres parce qu'on ne prend jamais assez de fibres dans une journée. Puis il y a un sac justement qui vient, qu'on rajoute à notre shake, là, un scoop de fibres. Fait que ça, c'est pour les produits. Sinon, il y a toujours aussi l'opportunité d'affaires avec Arbonne. Ben nous, dans le fond, on est conseillère puis directrice de zone avec Arbonne. On va vous en parler plus parce que je n'ai pas vraiment beaucoup parlé de ça. Je vous parle souvent des produits, mais il y a aussi l'opportunité d'affaires. Qui est un très beau côté d'Arbonne. Oui, vraiment. L'opportunité d'affaires, c'est du marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est vraiment simple, ok? C'est juste de partager, mettons, sur les réseaux sociaux, ce qu'on utilise, ce qu'on aime. C'est un peu ce que les influenceurs font, dans le fond. Dans le fond, on se rend pas compte à quel point, genre, parler de des produits sur les réseaux sociaux, c'est faire du marketing de réseau. Juste de, comme tu dis, de prendre ton café en photo, ben les gens, ils vont être portés à, genre, aller acheter la même chose que toi ou acheter le même top que tu portes, ton mascara ou whatever. Quand tu les partages avec Arbonne, ben, ils vont vouloir acheter des produits. Puis là, ils achètent dans ta boutique, fait que ça te revient un peu, dans un sens. C'est vraiment de partager ce que tu consommes au quotidien. Puis nous, en tant que conseillère, ben, ce qu'on consomme au quotidien, c'est tous nos produits Arbonne. Fait que ce qu'on partage, ben, c'est nos produits Arbonne. Puis c'est notre lifestyle Arbonne, si je peux dire. Ce qui est nice aussi avec Arbonne, c'est que tu pourrais, mettons, tous les produits de cosmétiques, genre autant, mettons, le savon pour le corps, le shampoing, puis tout ça. Tu peux vraiment prendre plein de produits, puis là, tu les utilises au quotidien. Puis après, tu les partages avec les gens. Puis là, ben, les gens, ils sont comme, waouh, mon Dieu, elle doit vraiment aimer Arbonne parce que oui, on aime vraiment ça. Parce qu'on a tout d'Arbonne. C'est vraiment addictif. Comment faire pour avoir un revenu avec Arbonne? Pour avoir un revenu avec Arbonne, il y a deux façons. C'est être comme nous, être une conseillère indépendante Arbonne, puis avoir son entreprise Arbonne, avoir son site web. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on partage les produits, puis qu'on a une commission sur les ventes qu'on fait, qui sont faites dans le fond sur notre site web directement. On a une commission là-dessus. Sur toutes les ventes qu'on fait, t'sais, on n'a pas besoin d'atteindre un minimum de ventes pour être payé ou quoi que ce soit. Ouais, ça c'est vrai. T'sais, c'est sur toutes les ventes qu'on va faire. Ça, c'est la première façon. Puis la deuxième, c'est de se bâtir une équipe Arbonne parce qu'on reçoit une commission sur les ventes de nos filles. Puis là, j'aime pas ça expliquer ça de même parce que ça a l'air genre je fais de l'argent sur le dos de la personne, mais c'est pas de même. Selon moi, puis selon ben du monde, c'est en guise de remerciement. Tu sais, mettons, Lauriane est dans mon équipe Arbonne, mais je la coach à ce qu'elle se rende au top de atteindre ses objectifs. Puis, tu sais, moi, mon but, c'est ça. T'sais, en ce moment, je suis en train de l'aider. On fait. Ouais. C'est vraiment du travail d'équipe. Puis, que j'aille une commission, par exemple, sur ses ventes, c'est comme en guise de remerciement qu'on fasse tout. Du beau travail en ce qui est vraiment le fun quand t'as ton équipe, c'est que tu sais, dans un sens, ça, pour toi, c'est vraiment dans ton avantage que la personne réussisse parce que, comme qu'elle vient de dire, plus qu'elle va réussir, plus que toi, tu vas réussir aussi. Fait comme, tu sais, on réussit tous ensemble. Fait que, si toi, tu la coaches pas puis tu t'en fous d'elle, genre, ben, tu réussiras pas plus, là, tu sais. Non, c'est ça. On est une équipe, là, fait qu'on s'entraide tous ensemble, là, puis on est vraiment une belle équipe aussi dans notre équipe à nous, là. Fait que... Oui. Si je donne l'exemple de notre équipe, vous êtes pas laissé à vous-même. Tu sais, on vous coach puis on est tout le temps là pour vous autres, pour que vous appreniez tout ce que vous avez besoin d'apprendre sur Arbonne puis que vous atteigniez vos objectifs, là, comme j'ai dit plus tôt. Quel genre de produits Arbonne propose? Ben, Arbonne, ça propose vraiment beaucoup de produits, là, autant des produits de nutrition que pour le visage, pour la peau, mais oui, aussi du maquillage. Oui. Moi, j'utilise les mascaras que je porte présentement. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, sinon, il y a un kit, je pense que tu as acheté, là, un kit avec comme... Ouais, un kit de 5 minutes, 5 étapes. C'est comme un crayon à sourcils, un blush, un mascara, une CC cream, puis un gloss. Ouais. C'est complet, puis ça fait un petit look naturel. Ouais. C'est tous nos produits Arbonne sont vegan, sont sans cruauté animale, sont sans gluten, sont sans OGM, sont hypoallergènes, sont faits à base d'ingrédients de plantes. Nos produits, honnêtement, ils ont tout de bon. Ouais. Donc Arbonne bannit 2000 ingrédients toxiques de leur liste d'ingrédients. Puis ils sont dérivés des standards européens, donc nos produits sont vraiment non toxiques. Il y a vraiment rien de mauvais pour notre peau, pour notre santé, pour notre bien-être. T'sais, si je peux faire une comparaison avec les standards des États-Unis, les autres bannissent seulement 11 ingrédients toxiques. Genre, c'est... Ah ouais? Nous, on en bannit 2000, puis les États-Unis en bannissent 11. Genre, c'est incroyable. Très peu de compagnies qui sont certifiées B Corp, puis nous, Arbonne, a cette certification-là, qui veut dire que Arbonne passe l'environnement avant les profits de leur entreprise. Donc, c'est vraiment nice de savoir que Arbonne, notre entreprise, pense à l'environnement avant même
de faire de l'argent. Quand vous encouragez Arbonne, quand vous achetez les produits, tu sais, tous les emballages de même, c'est recyclé. Le shipping est vraiment rapide aussi, là, genre. Oui, 2-3 jours. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de gens qui le ressentent vraiment rapidement, fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Puis nous, tout ce qu'on a à faire, c'est proposer aux gens, essayer de les convaincre d'essayer ces produits-là merveilleux. C'est simple au final, être consommateur indépendant. Mais ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. C'est vrai? Mm-hmm. T'as bien raison. Donc, si vous vous demandez si vous avez les compétences pour être une conseillère indépendante Arbonne, la réponse c'est vraiment oui. Ben oui. On va se le dire, évidemment. N'importe qui peut faire. À part si t'as pas 18 ans. Ouais. À part si t'as pas 18 ans, c'est la seule restriction. Sinon, tu peux développer ton entreprise puis te joindre à notre super équipe. Oui. C'est vraiment pas compliqué. T'sais, Arbonne, t'as pas vraiment de, comme qu'on dit, là, c'est vraiment simple. C'est pour n'importe qui. T'as aucune obligation, là, tu peux autant pas en parler pantoute aux gens si c'est pas ça que tu veux, pas en parler sur les réseaux sociaux puis en parler, mettons, à ta famille, à tes amis. Tu peux juste profiter des rabais pour toi, mettons, il y a aucune obligation, là. Si ça te tente pas de faire comme nous puis d'en parler aux gens puis tout ça, ben c'est pour toi, t'es pas obligé. Ouais, parce que tu sais, à Arbonne, il y a autant des étudiantes comme nous, il y a autant des mamans, il y a autant des personnes qui ont leur carrière de vie, il y a autant des personnes qui veulent faire ça comme un side, il y a autant des personnes qui veulent pour avoir plus d'argent, pour économiser pour un voyage, pour n'importe quoi. Toutes les raisons sont bonnes pour faire Arbonne puis être une conseillère, donc vraiment. Si tu te demandes c'est pour toi, la réponse c'est oui. Ouais, si vous avez des questions, si vous hésitez à vous lancer dans cette aventure-là, ben vous pouvez nous les poser vos questions, puis genre si vous êtes inquiet pour quelque chose. Ben oui, on aime ça. Parce que moi personnellement, j'étais pas certaine de le faire parce que je me disais, tu sais, moi je trouve important de le dire aussi parce que tu sais, vous voyez, elle a dit, puis là elle a beaucoup d'abonnés, fait que là ça fonctionne tout ça, mais tu sais, moi là j'ai pas pantoute d'abonnés puis tout, puis ça fonctionne quand même bien aussi. Oui. Tu sais, ça peut vraiment fonctionner pour tout le monde, puis les abonnés ça a aucun rapport là, comme tu sais, elle a dit quoi avoir. C'est un bon point à apporter parce que je me fais souvent poser cette question-là, puis je trouve ça plate. Dans le même sens, je trouve ça plate d'avoir des abonnés parce que le monde pense que oui, c'est à cause de ça que je performe, mais tu sais, si on regarde Nat, là. Oui, mais c'est ça. Caroline, ça n'a aucun rapport, les abonnés. Il faut juste travailler son entreprise de toutes les façons que vous pouvez le faire, en parler. C'est, moi, j'en parle aussi, genre, toutes les gens que je vois dans la vraie vie, là, mes amis, puis tu sais, ma famille, je leur en parle. Ça leur pousse à vouloir l'essayer. Là, eux autres, les essayent, et là, après ça, ils en parlent aux autres à ses proches. C'est du bouche à oreille. Ouais, vraiment. Les gens sont curieux, puis ils viennent en apprendre plus. Puis tu sais, une fois qu'ils en ont appris plus, ben c'est là qu'ils prennent la décision. Ouais. Ça leur tente, si ça leur tente pas, si c'est pas pour eux. Puis même si les gens ils s'intéressent pas à ce que tu fais, toi au moins t'aimes les produits puis t'en parles. Puis plus que t'en parles, tu sais, moi ça fait, elle a dit, ça faisait un bout qu'elle en parlait. Moi c'est pas dès qu'elle en a parlé la première journée que j'étais comme hey, je vais en acheter. Non, La voir en parler, en reparler, puis là je me dis mon dieu, elle les aime vraiment ces produits, puis ça donne le goût de les acheter. Fait que c'est comme ça, c'est la constance justement. Mm-hmm. Si t'allais arrêter après comme 2 mois, je serais pas rentrée. Là, les deux mots clés qu'on dit tout le temps, c'est constance et persévérance. Ouais. Puis tu vas avoir des résultats. Parce que c'est sûr que les premières semaines, c'est pas là que genre les gens vont s'intéresser, mais après plusieurs mois que tu le fais, là, les gens vont commencer à s'intéresser parce qu'ils vont dire mon dieu. Mais oui, on va comme avoir une confiance avec les gens qui... On établit une confiance avec nos clients parce que tu sais, ils voient à quel point qu'on utilise ces produits-là, autant pour déjeuner, routine, au courant de notre journée on prend nos fils, le soir on fait notre routine skincare, et le soir on prend notre thé, tu sais, c'est vraiment de... On se lève dans notre lit, on se couche, qu'on utilise en bonne, puis tu sais, ça les gens, ils doivent... Un moment donné, quand ils voient que ça fait longtemps qu'on les consomme ces produits-là, puis qu'on les utilise pour vrai, ben, tu sais, ils doivent se dire, ouais, c'est ça. Pas ça pour rien. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est nous qui les achetons avec notre argent à nous, là, tu sais. Ouais, on débourse, là, on a pas ça gratuitement. Non, vraiment pas. Il faut savoir là, que, tu sais, c'est nous qui essayons d'acheter les produits, puis de les racheter. C'est pas pour rien qu'elle a dit, elle a genre toutes les gammes, puis tout, parce que. Moi, je t'accroche, j'allais tout. Quand il y a quelque chose qui sort, je l'achète en seconde après. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on devient un peu le produit du produit aussi. Ben, c'est ça notre but. Ouais, c'est ça notre but. Tout le monde, il voit que, genre, ça fonctionne sur nous, il voit bien là, que, genre, tu sais, si je dis que le mascara, je trouve qu'il fait des beaux cils, tu sais, je vous le montre, puis vous le voyez, tu comprends? C'est pas fake ça, là. Non. Genre, faire semblant que, hey, ça me donne de l'énergie, les fils. Hey, si faudrait que je fake ça, je serais pas en train de faire ça. Non, c'est ça. Quand le monde, il te demande des fois, là, genre, si les produits mais oui, les gens me demandent est-ce que les produits fonctionnent. Je me créerais pas un compte juste pour ça, un compte Instagram. Non, je me forcerais pas à prendre un scoop de greens si je dirais que ça fonctionne pas. Ouais, parce que les greens c'est pas très bon. Dans un sens, je trouve ça normal, ça goûte pas bon parce que c'est 37 fruits et légumes là. Puis quand vous regardez la liste d'ingrédients, c'est juste des légumes. Fait que mélanger tout plein de légumes ensemble dans une poudre, c'est pas super bon. Mais
C'est super bon pour notre santé. Ouais. Puis mélangé avec, moi je le prends toujours avec du lait ou avec du jus d'orange. Puis avec du lait, je trouve que ça fait un peu un match. Ouais, ben c'est ça. Puis avec du jus d'orange, je trouve que ça goûte juste le jus d'orange. Fait que là, je trouve ça super bon. Puis tu sais, tu fais pas un verre au même. Non, là, c'est tu ça aussi. Un petit shot, fait que... Ouais, la question qu'on reçoit souvent, c'est est-ce que j'ai le temps de faire Arbonne ou je pense pas que j'ai le temps de faire Arbonne. Moi, je vous confirme que vous avez le temps. Okay? Moi, je travaille à temps plein à l'hôpital, là, puis j'ai le temps en masse de faire Arbonne. Arbonne, là, ça se fait juste à partir de ton téléphone cellulaire. Ça se fait super facilement. Et le dit aussi est à l'école. Puis à temps plein. Dans le fond, ouais, puis toi aussi, t'es à l'école. Oui. Fait que dans le fond, tu sais, ça se gère super bien parce que ça se travaille à partir d'un téléphone cellulaire puis du Wi-Fi. Ouais. Fait que, rendu là, t'as plus bonne excuse parce que tout ce qu'on a dans les mains de nos jours, c'est notre cell. C'est un bon moyen de faire de l'argent. Si vous regardez le temps d'écran que vous passez sur votre cell, honnêtement, ouais. à scroller sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, whatever, quoi, pensez que ce temps-là, ça pourrait être investi dans de l'argent. Je dis ça de même, ouais, c'est un bon moyen. Vous avez tout le temps de faire Arbonne, puis comme on vous a dit aussi, vous n'avez pas d'obligation. Fait que si vous, pour vous, faire Arbonne, c'est juste de le montrer tous les matins que vous prenez un film, mettons, ben ça peut être ça aussi, là. Ouais, vous allez, si vous voulez vous rendre au top, ben vous allez mettre les efforts pour, puis genre, je vous dis, vous allez tellement triper que ça va se faire naturellement rendu là. Ouais. Toi, tu passes beaucoup de temps, genre, par jour, quand comme travailler sur Arbonne, genre. Pour vrai, j'ai jamais calculé, tu sais, en heure, parce que, tu sais, je le fais du matin au soir, mais par moment, tu sais. Je fais comme temps... naturellement un peu. Ouais, aussi, là. Tout le temps. Je suis plus souvent sur mon compte Arbonne que sur mon compte perso, puis j'aime mieux sur mon compte Arbonne. Genre, je tripe. À la base, là, on publie genre notre vie un peu sur les réseaux sociaux, qu'on aime ça, là, publier, partager ce qu'on fait. Ouais. Que Arbonne, tu fais juste partager ce que tu fais, mais ce que t'aimes en plus. Tu sais, t'es comme full passionné, puis plus que t'es passionné, plus que les gens, ça leur donne le goût. Ils sentent les gens, là, tu sais, s'ils sentent la passion que t'as dans toi, ben là, c'est sûr qu'ils vont vouloir soit essayer les produits, soit embarquer dans notre équipe. Puis souvent, ce que les gens disent de notre équipe, c'est la dynamique qu'on a. Puis on s'entraide vraiment beaucoup. Puis c'est vraiment une belle vibe là, dans l'équipe, je trouve. Là, tout le monde s'entraide, tout le monde te supporte. Dès que t'as une question, tu la poses, il n'y a pas de questions niaiseuses. Et si vous pensez qu'il y a des risques financiers dans Arbonne, ben la réponse est non. Non, pas du tout. T'sais, la seule affaire que vous pouvez perdre, c'est votre 59$ quand vous vous inscrivez en tant que conseillère. C'est vrai, c'est ça. Qui coûte juste 59$, by the way. Là. C'est vrai. Le plus gros risque que tu peux prendre, c'est de faire 0$. Ouais. C'est tout. Ouais, dans le fond. Faire 0$, c'est pas un très gros risque. Non, c'est vrai. Puis tu sais, même rendu là, c'est impossible de faire aucune vente parce que, je vous dis, les gens sont vraiment curieux à propos de ce qu'on fait. Puis c'est sûr que vous allez trouver une personne qui veut vous encourager puis qui veut essayer les produits. Puis là, la personne va tomber en amour avec les produits puis elle va les racheter. Ouais. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai souvent aux gens. Moi, j'ai vraiment pas peur quand je propose des produits parce que je sais que les gens vont les aimer. Puis aussi, on peut les retourner, même si j'utilise, je pense. Oui, t'as 45 jours de garantie, même si tu peux le tester en masse ton produit. Tu sais, Arbonne, ils ont fait ça parce qu'ils savent qu'au bout de 45 jours, tu vas obtenir un résultat. Puis c'est ça, 45 jours de garantie. Si tu l'aimes pas, ben tu peux le retourner puis tu vas être remboursé. C'est quand même vraiment bon. Il vous avait aucune excuse. après avoir vu cette vidéo-là, faut que vous venez nous écrire. Mais oui. Comment tu trouves sa clientèle? J'y vais vraiment avec les gens qui... exemple, like mes vidéos, like mes reels, like qui portent une petite attention à ce que je fais. Ben moi, je vais aller vers ces personnes-là, je vais leur demander si tu les produits qui les intéressent, si tu l'opportunité d'affaires. Sur quoi t'hésitais avant de devenir pourquoi t'hésitais au début à pas être conseillère, toi? Moi, je me suis fait vraiment proposer souvent d'être conseillère, là, vraiment beaucoup. Puis tu sais, je savais c'était quoi Arbonne, puis il y a même une conseillère qui m'avait envoyé des produits, tu sais, gratuitement pour que je fasse la publicité à cette conseillère-là. Puis j'avais vraiment trippé sur les produits. Ah oui! Mais ça fait longtemps, tu sais, c'était même plus, ça ressemblait même pas à ces produits, ça fait vraiment longtemps. Puis j'avais fini mon pot de crème comme ça. Puis j'avais fait une soirée justement que j'avais fini mon pot. Puis j'avais vraiment trippé. Puis je vais pas réessayer après ça. Ok. Là, Nathalie, qui est notre grande marraine, qui est une. Moi, ça fait genre, je la connais depuis que. Ouais, t'as connu depuis longtemps, ouais. Oui, genre depuis que je suis jeune, c'est la même, ma meilleure amie. Donc ça fait vraiment longtemps, fait que j'avais comme confiance en elle. Puis à l'écran ma mère pour venir, pour présenter l'opportunité d'affaires, puis elle voulait que moi puis ma soeur on soit là pour écouter. Puis j'étais comme non, tu sais, je vais même pas écouter. Puis là ma mère m'a dit hello, écoute, tu sais, peut-être ça va t'apporter quelque chose. Ouais. Puis là, tu sais, maman elle sait que je
que ça pouvait marcher, ouais, ouais. Elle savait que c'était pas de quoi de ce qu'elle allait nous présenter. Puis maman, elle a fait longtemps du marketing de réseau. Fait qu'elle savait que ça pouvait marcher. Ouais. Fait que finalement, on écoute ce que Nat allait nous dire. Puis là, c'est bien intéressant. Finalement, on accepte. On pense pas trop longtemps. Le soir même, on dit oui. Et le soir même, maman a dit les filles, let's go, le dites donc oui. Puis, maman, elle savait vraiment que ça allait marcher. Ma mère, elle a rentré aussi dans Arbonne. Ouais. Elle conseillère maman. Puis ouais. Moi, ma soeur, on a rentré dans le fond dans son équipe. Puis on a commencé. Ça, ça a pris un petit bout de temps à gérer ces réseaux sociaux parce que j'avais l'impression que Arbonne c'était comme, tu sais, j'avais souvent vu puis je m'avais souvent fait proposer ça puis j'avais l'impression qu'Arbonne c'était juste dans une compagnie qui gossait le monde. Puis même que j'avais essayé les produits puis que j'avais super gros aimé, on dirait que parce que j'avais peur du jugement des autres, ouais. Je voulais pas me lancer. Si j'avais peur que le monde comme de mon public qui soit plus intéressé à ce que je fais parce que ça va être rendu juste Arbonne. Tu sais, finalement. J'ai pensé, j'ai comme fait un peu de développement personnel là. J'ai pensé par-dessus ce que les gens pouvaient penser de que je fasse Arbonne parce qu'au final je le faisais pour moi. Tu sais, j'ai jamais eu de commentaires négatifs que je fasse Arbonne. Les gens étaient super contents que tu sais, je conseille les gens pour les produits. Ben lancez-vous dans cette aventure-là, gang! Puis écrivez-nous à moi puis Hello. Puis on va répondre à toutes vos questions. Puis j'espère que cette vidéo-là va vous avoir éclairé un peu. Vous pouvez nous poser des questions en commentaire aussi. Ou on pourrait faire une autre vidéo à un moment donné. On adore ça. Oui, on adore parler de ça. Si vous avez aimé, laissez des thumbs up. Thumbs up, puis on attend vos DM. Oui, c'est ça. Allez, follow Hello sur Instagram. Fait que c'est ça tout le monde. J'espère que vous avez aimé, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye. Merci.